On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com pour cette première de la saison dans nos nouveaux studios du 145 rue Richelieu. Aujourd'hui, on reçoit le candidat à la mairie et chef de l'Action civique, Jean Lamoureux, qui va nous dévoiler ses candidats et évidemment les grandes lignes de sa plateforme électorale. Savez-vous qu'il y aura des élections municipales au Québec et notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu le dimanche 3 novembre prochain, probablement l'une des municipalités où il y a le plus de candidats au pied carré, 8 à tout le moins d'annoncés jusqu'à présent. Vous l'avez probablement remarqué dans la dernière saison de notre émission, on a reçu ici sur ce plateau les différents candidats à la mairie, notamment quand venait le temps de lancer leur campagne ou de présenter leur candidat. Donc l'hiver et le printemps dernier, on avait reçu un peu moins souvent que les autres, Jean Lamoureux, qui est avec nous aujourd'hui de l'Action civique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, évidemment, question d'être équitable au niveau du temps qu'on accorde aux candidats. Donc, vous avez procédé, donc pas plus tard qu'hier, au lancement de votre campagne, comme vous l'aviez dit, avec la présentation de vos candidats. Donc, au cours de cette émission, on va faire un peu le tour de tous les enjeux et également de vos candidats. D'abord, première question, puis je vous l'ai posée au mois de juin, mais je vous la repose. Pourquoi être le dernier à présenter votre équipe? En 2009, faut dire que ça fait trois campagnes à la mairie que j'organise. J'ai déjà organisé une campagne à la mairie où j'étais candidat en 1998 avec le Parti Joannais. Et j'étais dans les, appelons ça les stratèges du Parti Joannais, dans l'écriture. Et on a toujours procédé comme ça. Au moment où les gens commencent à se préoccuper des enjeux électoraux, ou bien non, des annonces électorales dans les médias, c'est toujours après la rentrée scolaire. Les médias en sont pleins, etc. Et on s'est dit, c'est notre stratégie qui a toujours été bonne, puis on a repris la même stratégie. Donc, pour en vous, 2009, avril, mai, juin, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Les gens sont en vacances, ils ont des préoccupations ailleurs. Quand la rentrée scolaire est passée, c'est là que les médias, en tout cas par l'expérience électorale, je peux vous dire, c'est la 8e campagne que je fais, moi, là, les élections municipales. Et je peux vous dire, le calendrier que j'ai mis là, je pense que c'est le bon calendrier. Bon. Vous savez que vos adversaires seraient tentés de dire bien, Jean Lamoureux n'a pas présenté ses candidats parce qu'il n'avait pas réussi à en recruter suffisamment. Vous répondez quoi à ça? Bien, je réponds qu'ils peuvent bien dire n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'était pas sa stratégie. En 2009, il n'y a personne qui nous a dit ça non plus parce qu'on les a présentés en septembre. C'était d'ailleurs à peu près la même date. Fait qu'il y a. C'est du commérage. Hein. Bon. Vous avez présenté votre équipe et je veux qu'on commence par ça parce que c'est aussi, disons, le nouvel élément. Et on le sait, bon, en 2009, vous aviez une équipe de laquelle, d'ailleurs, il y a certains candidats qui sont rentrés. Certains ont fait le choix d'aller avec un autre candidat à la mairie. Comment vous vivez avec ce genre de situation où vous avez des collègues comme Fontaine et Quentin qui ont fait le choix finalement de s'en aller avec le grand, mais Gaétan Gagnon lui a décidé de rester avec vous. Vous vivez comment avec ça? Bien, moi, je vis assez bien parce que dans les faits, ce qu'on avait, moi, je pense qu'on l'avait déjà dit quand on était ici, que moi, le système politique municipal fait en sorte que faire survivre un parti politique au municipal, c'est extrêmement difficile. Il faut quelqu'un qui tienne le fort et qui dise, compte tenu des résultats, l'Action civique peut continuer à survivre. C'est ce qu'on a réussi à faire. Rappelez-vous qu'on est là depuis 2005. Donc, 2005 jusqu'à 2013, un parti qui n'est pas au pouvoir et qui survit, là, on peut qualifier ça de tour de force. Et moi, j'avais dit à mes gens qui avaient été élus, et même ceux qui n'ont pas été élus, écoutez, là, 4 ans, c'est loin. Moi, je ne jouerai pas à belle-mère avec vous autres. Je ne vous dirai pas quoi dire, quoi faire, mais je vous assure que le Parti Action civique va continuer d'exister. À partir de là, c'est sûr, il y a peut-être des alliances autour de la table qui se sont faites. Les gens ont traité des dossiers avec d'autres gens. Je pense que ça fait partie un peu de la vie politique. Là. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Là, par contre, c'est vrai, je suis un peu déçu de dire, bon, ils sont allés ailleurs. Je n'ai jamais su pourquoi. C'est parce qu'on n'a jamais eu de conversation ferme là-dessus. Mais ça fait partie du jeu politique. Ouais, tout à fait. Ouais. En même temps, votre prémisse de base est toujours la même depuis même quoi? Ça fait 2 ans que vous avez déjà, même au lendemain de votre défaite en 2009, vous avez pratiquement indiqué le lendemain que vous seriez candidat à nouveau cette année. Donc ça, ça n'a pas changé. En même temps, quand on regarde les chiffres, le maire d'Holbeck avait été réélu avec à peu près quoi? 37 % des voix pour 11 000 votes. Vous, c'est à peu près 31 % pour 9 200 votes. Donc, il y avait 2 000 votes d'écart entre le maire sortant et vous-même. Et il y avait 4 candidats. Là, le portrait, c'est qu'il y a 8 candidats
et il y a plusieurs équipes au rendez-vous, mais le maire, lui, n'est plus là. Donc, le siège est ouvert. Et vous êtes encore motivé à vous représenter encore une fois. Et pourquoi? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu regardes les statistiques, si tu étais deuxième, on était ouais. deuxième derrière le maire, un maire sortant, c'était dur à déloger. À déloger. OK. Et si j'avais eu 10 % des votes, c'est sûr que ma décision a été facile à prendre, j'ai racheté chez nous. Sauf qu'avec 32 % des votes, 9 000 votes, qui est quand même beaucoup sur le total exprimé, là, c'est évident que lorsque on regarde les statistiques, que les gens qui nous ont dit « c'est l'homme, c'est la personne qui peut finalement créer un changement dans la ville, changement de, j'avais dit, de gouvernance, changement de régime », j'avais appelé ça de même à l'époque, je pense pas que ces 9 000 personnes-là, là, ils vont tous s'en aller ailleurs. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui... J'entends ça partout, M. Lamoureux. Hein, je suis content que vous veniez, on était pour vous, etc. Mm-hmm. Je n'ai pas la prétention de dire que les 9 000 vont rester avec nous, sauf qu'il y a un noyau dur là, qui nous ont beaucoup, beaucoup ouais. encouragés, qu'on connaît là, sur le terrain. Là. Bon. J'ai jamais quitté un peu l'environnement politique, là, même si je n'étais pas élu. Là. Bon, allons-y avec vos candidats. D'abord, dans le district 1, qui est le district du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, vous présentez un candidat qui s'appelle Sylvain Dextras. Qui est-il? Sylvain Dextras, c'est un candidat qui est natif de Saint-Jean et qui est entrepreneur dans le Vieux-Saint-Jean ici. Depuis l'âge de 22 ans qu'il est entrepreneur, il y a des propriétés dans le centre-ville. Et c'est une personne qui connaît très, très bien le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville. C'est une personne implantée ici et il connaît le district pratiquement par cœur. Bon, district numéro 2, qui est en fait le sud d'Iberville et de Saint-Athanas, là, jusqu'aux limites ouais, de Sainte-Rose. Vous présentez M. Bertrand Roy. Bertrand Roy, c'est une personne qui est là depuis 23 ans et qui a travaillé dans le public, dans différents métiers, et qui connaît tout l'environnement qui est évidemment dans cet endroit au sud, qui était du côté de la rue Bellerive, dans ces coins-là. Et il connaît énormément de monde dans ce coin-là. Et c'est un peu pour ça. Là, nos critères sont qu'on veut que les gens connaissent le milieu, connaissent aussi les gens dans le milieu. Et c'est pour cette raison qu'on a M. Bertrand Roy est avec nous. Et c'est la connaissance de son milieu et son environnement qui fait qu'on va avoir ce gars-là. Là. District numéro 3, c'est le conseiller sortant Gaétan Gagnon. Comme on dit, un vieux de la vieille, il était là même du temps de l'ex-municipalité de Saint-Athanas, donc il revient à nouveau avec vous. Oui. Gaétan, c'est un de nos plus fidèles conseillers. D'ailleurs, là, on a toujours resté en contact, même pendant la période où je n'étais pas à la mairie. Où je n'étais pas candidat, ou même j'étais battu. Puis Gaétan, il a à cœur, évidemment, on connaît toute l'implication de Gaétan dans son district, mais aussi pour l'ensemble des dossiers de la ville. Puis lui, il croit fermement que la dernière fois, c'était un peu une erreur de parcours en disant on méritait d'être là, puis c'est sûr que moi, Jean, je vais continuer à te suivre. Bon, district numéro 4, vous présentez Patrick Beausoleil. Oui, Patrick Beausoleil, c'est un jeune homme. Ceux qui ont couru les jeunes candidats, c'est un monsieur que je connais depuis plusieurs années, qui a fait du bénévolat avec nous à la Société canadienne du cancer et dans différents événements. Et c'est un jeune candidat qui est déjà directeur général de son entreprise de marketing. Il est très, très implanté dans son district au niveau des jeunes familles et il va être présent dans le district là, pour faire un petit... un petit à propos au sujet de M. Fontaine qui n'était pas là depuis 3 ans. Là. Et il répond effectivement assez clairement à l'enjeu d'être proche des jeunes familles. Il connaît les préoccupations des jeunes familles qui sont quand même assez nombreuses dans Saint-Eugène. Okay. Là, vous lancez une petite flèche à Jean Fontaine. Oui, oui. Ben pourquoi? Ouais. Pourtant, ben, il s'est présenté avec vous en 2009. Oui, mais moi, j'avais dit à Jean, je pense qu'il faut que dans les fêtes, quand tu te présentes dans un district, il faut que tu sois présent dans ton district. Là. Puis il n'a pas été là, il ne restait pas là depuis 3 ans et demi. Là. District numéro 5, qui est en fait le district Saint-Edmond-Saint-Lucien, c'est pas la première fois qu'il se présente. Là, il se présente avec vous, c'est James Falls. Oui. James Falls, nous, on a recruté M. Falls suite à des conversations qu'on avait eues avec lui. Et nous, on voulait, bien, c'est le même propos que je tiens avec les autres candidats, un candidat qui connaît, je pense, c'est peut-être une des personnes qui, dans le district 5,
connaît plus que toute autre personne, connaît tout le secteur de Saint-Edmond et Saint-Lucien. Et c'est une personne qui est impliquée aussi dans son district. Il connaît son district, connaît les enjeux, puis c'est un apport pour nous autres. District numéro 6 maintenant, qui est NDL et une partie de Saint-Gérard. Madame Nicole Thibodeau qui revient encore une fois comme candidate, parce qu'elle était candidate également en 2009. Oui, effectivement. Nous, quand même, même si on a perdu des joueurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a gardé des candidats qui continuent à revenir à l'action civique avec nous. Et Nicole Thibodeau, ça en est une personne sur laquelle on peut compter. Elle a fait une belle bataille. On s'entend que M. Poisson était très, très connu dans NDL. Et elle a fait une superbe bataille. Et je pense que ce qu'elle a fait comme bataille, ça va rapporter, évidemment, maintenant, à cette prochaine élection-là. District numéro 7, dans l'Acadie, David Couture. Oui, David Couture, c'est un candidat qui nous revient aussi. Alors, vous voyez que c'est un peu normal. On a un noyau dur, quand même, qui est là, là. Alors, David aussi a fait quand même une bonne bataille. Il y a eu, faut dire que c'était assez difficile à quatre candidats. Les votes ont été assez partagés, mais il y a eu quand même le 15 % de votes. Et David, c'est qu'il a agrandi son cercle au niveau beaucoup, beaucoup des jeunes familles. Il y a quatre enfants, ils vont maintenant à l'école. Donc, il y a un nouveau cercle là, qui fait en sorte qu'il y a des jeunes familles qui veulent maintenant dire « On aimerait ça avoir un candidat qui est de notre groupe d'âge. » Bon, dans le district numéro 8 maintenant, qui est la portion Vieux-Saint-Luc, donc à nouveau, elle se représente, Carole Lamère. Les mêmes raisons, Carole a fait une bataille extrêmement serrée. On s'entend que le vote, évidemment, il y a eu un écart de 400 votes ou un peu plus, là, mais est arrivé quand même deuxième. Et là aussi, pour les mêmes raisons, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec nous autres, qui a suivi la politique municipale. On est resté en contact continuellement. Puis je suis convaincu qu'elle est capable de, d'abord, elle connaît son environnement, on sait assez bien, là. Et c'est encore quelqu'un qui revient à l'action civique. C'est normal qu'on dise, ceux qui disent, vous avez perdu des joueurs, mais je pense qu'on a plutôt gardé plus de joueurs qu'on a perdu. Là. District numéro 9, qui est Notre-Dame auxiliatrice et une partie de Saint-Gérard, vous ne présentez personne. Pourquoi? On ne présente pas personne parce que, premièrement, moi, je ne veux pas avoir quelqu'un qui n'est là comme un poteau, si on peut appeler ça de même. Là. Et je n'ai pas trouvé des gens qui répondaient à mes critères pour faire la bataille-là. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je peux y aller, ça va combler votre équipe, puis ça va vous aider peut-être. Mais ça me prend quelqu'un qui est convaincu, qui est capable d'être là, puis gagner la bataille. Est-ce que le fait que le conseiller sortant, Yvan Berthelot, se présente comme indépendant, est-ce que ça a influencé votre décision? Bien, moi, j'ai pas eu de contact avec M. Berthelot comme tel, là, au niveau des alliances, rien, là. On s'est parlé, puis il a dit, moi, je reste indépendant. Bon, puis je pensais qu'il était pour aller avec M. Legrand, mais il reste indépendant. Donc, moi, j'envoie personne à l'abattoir. C'est ma philosophie. Ceux qui en a qui disent, non, il faut que tu aies du monde partout. C'est pas mon point de vue. Si tu demandes à quelqu'un, on s'entend-tu qu'il y a de l'argent à mettre sur la table, là? C'est moi, je demande à quelqu'un 2 000 $ là. Puis je dis, écoute, vas-y, fais une belle bataille, bonne chance, puis je sais qu'il va perdre sa mise, là. Je m'excuse, mais mon honnêteté me guide, puis dit, non, je préfère moi-même faire la bataille dans NDA, ouais. comme candidat à mairie, parce que les gens ont deux votes, plutôt que d'envoyer quelqu'un dire... District numéro 10 maintenant, qui est en fait Prévert et Normandie, Anthony Roy. Oui, Anthony, c'est là aussi, on a recruté des jeunes. Anthony a une expérience politique au niveau d'abord de sa formation. Il a un baccalauréat en sciences politiques. Aussi, il a été aux communications avec le député fédéral. Il a été recherchiste à l'Assemblée nationale. Et il connaît, évidemment, là aussi, on s'entend-tu que toute la section de Saint-Luc, c'est des plus jeunes familles, des gens un peu plus jeunes. Et Anthony, évidemment, je pense que c'est un candidat de choix là, au niveau des jeunes. Là. Bon, district numéro 11, qui est en fait l'autre portion de Normandie, une portion de Jean Talon, vous ne présentez personne. Est-ce que là aussi, c'est par choix? C'est un choix indirect dans le sens qu'on avait une personne qu'on avait choisie et cette personne-là, malheureusement, c'est comme bien, désister pas parce que par choix, c'est parce que dans son environnement, il y a eu de
il y a eu une mauvaise nouvelle au niveau de la maladie dans son environnement. Et on a dit, bon, bien, garde, là, nous autres, on respecte ça. Mm-hmm. Et la personne s'est retirée. Donc, et on, c'est un peu le même principe que les autres. Moi, je voulais avoir quelqu'un qui était impliqué dans le milieu, connaissait le milieu et aussi qui voulait s'investir. Puis, à date, je n'ai pas trouvé personne qui voulait faire ça. Moi, je connais Normandie assez bien et on va faire la bataille à la mairie, c'est sûr. Pour les mêmes raisons, je pense qu'il faut respecter les choix, finalement, des gens qui viennent avec nous autres, qui ne viennent pas. Et en terminant, district numéro 12, qui est l'île Sainte-Thérèse et une grande portion de Saint-Luc, Micheline Deschamps. Oui, Mme Deschamps, c'est une personne qui est résidente de l'île Sainte-Thérèse depuis 42 ans. Elle a été impliquée dans différentes organisations dans l'île Sainte-Thérèse et aussi auprès des personnes handicapées, des aînés, des jeunes familles. Donc, elle connaît ce milieu-là assez bien et c'est une personne qui voulait s'impliquer vraiment à fond auprès de ces personnes-là. Bon. Sur le plan plus général, je reviens au candidat à la mairie qui est Jean Lamoureux et à cette campagne avec ce lancement de l'Action civique. Vous êtes probablement le premier qui avait un peu, disons, lancé les hostilités. M. Laplante l'a fait à certaines occasions dans les sorties publiques le printemps dernier. Mais là, vous vous êtes attaqué directement au candidat Michel Fecteau par le biais d'une lettre ouverte, mettant en cause, je ne sais pas si je vais trop loin, mais est-ce que mettant en cause quoi, son intégrité à l'égard de son rôle de président d'SOS Richelieu, son implication dans le regroupement des personnes handicapées, etc. Quelle est la raison qui a motivé votre sortie à l'égard du candidat Fecteau? Bien, premièrement, si lui, il sent attaquer son intégrité, le propos vient du fait que nous avons reçu beaucoup, beaucoup de commentaires concernant SOS Richelieu. Mm-hmm. Et ça vient du fait que M. Fecteau a mis en bannière SOS Richelieu à l'annonce de sa campagne. Je n'ai rien contre ça, là. Mm-hmm. Sauf que le problème qu'on rencontrait, on a dit, les gens nous ont dit, oui, mais SOS Richelieu, ils ont ramassé de l'argent. Parfait, c'était excellent, ça allait à la population et c'est la population qui a donné des sous. Et ce qui avait été soulevé, oui, mais on a les recettes, mais on n'a pas les dépenses. Est allé où l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Là? SOS Richelieu, ce n'est pas un organisme enregistré. Si vous allez sur le site, vous avez la liste des contributeurs, mais vous n'avez finalement pas de rapport à savoir où est-ce qu'est allé l'argent. Moi, mais vous demandez quoi? Vous demandez des états financiers vérifiés? Je demande, même si ce n'est pas des états financiers vérifiés, je demande au moins une colonne de revenus, dépenses. Il est allé où? C'est l'argent du public. Là. Avez-vous été agacé par le fait que M. Fecteau a eu une certaine visibilité à l'égard de sa sortie publique à Mégantic ou encore avec le regroupement des personnes handicapées? Est-ce qu'il y a un agacement là aussi au niveau de la visibilité que lui procurent ces organismes? Bien, c'est parce que si tu fais campagne, moi, j'avais dit dans l'lettre, c'est que je suis pas sûr que les gens qui ont été bénévoles, comme d'ailleurs, je suis bénévole dans différents organismes, je peux vous dire, moi, je ne mettrai jamais en affaire. J'en ai mentionné aucun organisme avec qui je travaille dans ma campagne. Parce que les bénévoles qui travaillent avec toi, là, ils travaillent pas pour faire la politique. Donc, c'est un peu ce que je disais. Je dis, vos bénévoles qui sont venus à SOS Richelieu, est-ce qu'ils sont d'accord que, dans le fond, vous prenez cette bannière-là pour votre campagne électorale? Faites votre campagne électorale sur des idées et tout ça. Ouais. Et ces gens-là, ils sont pas plus ou moins d'accord à se voir lancer en tête de liste en disant, regarde, là, moi, là, SOS Richelieu, c'est moi, là. Mm-hmm. M'excuse, là, mais est-ce que vos bénévoles sont d'accord avec ça? Non, je pense pas. Vous nous avez amené votre petite Bible qui est sur la table. Oui. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Ce livre, c'est le regroupement de toutes les lois municipales qui guident finalement les municipalités et c'est la loi des cités villes. Il y a deux grandes lois. Il y a la loi des cités villes pour finalement on peut appeler ça les municipalités qui sont classées villes. Mm-hmm. Et il y a évidemment le code municipal qui est pour les municipalités qui ne sont pas classées villes. Toutes les lois concernant la gestion municipale est là-dedans. C'est vraiment la Bible, c'est la cinquième édition. Moi, j'ai lu en 2008, j'ai lu effectivement au complet, toute la première édition. Et là, j'ai dit, puis les gens qui sont avec moi, je leur ai dit, je veux que vous soyez au courant de ce qui se passe dans la ville. On a des réunions à tous les dimanches où on a des... Moi, je lui donne l'information sur la ville, un peu comment ça fonctionne. Et si vous venez avec moi, vous allez devoir connaître un peu dans quoi vous embarquez.
Bon, là, vous avez lancé un peu les sept vérités pour la ville. Je fais un bref résumé des sept vérités. Le maire doit comprendre les effets sur le budget des dépenses. Le maire doit analyser les conséquences de la croissance de la dette. Le maire doit mesurer les conséquences sur le développement commercial, industriel, résidentiel. Le maire doit donner des orientations pour utiliser plus efficacement le nouveau pacte fiscal. Le maire doit justifier et expliquer l'importance de ne plus planifier un PTI, un plan triennal d'immobilisation de 40 millions par année, mais le limiter à 20. Le maire doit travailler à trouver des nouvelles sources de revenus et le maire doit faire en sorte que chaque dollar dépensé assure un meilleur service. On voit donc dans les sept vérités, c'est très, très économique comme plateforme, là, ou comme... évidemment, vous avez probablement là, d'autres aspects dont on va parler, là, oui, les projets, mais bref, si on parle des sept vérités pour de la ville, pour vous, dans votre tête, le maire, le prochain maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, il va devoir avoir, disons, une connaissance et des orientations axées beaucoup sur la fiscalité, sur les taxes, sur les dépenses, bien, sur le budget, sur... Bien, la raison pourquoi, dans le fond, on a trois éléments dans notre programme, si on peut le dire, ou dans notre plateforme. La première, c'est de dire, il faut que la personne qui va être assise là puisse être... Vous avez 158 millions à gérer. Vous n'avez jamais été assis là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Nous autres, ce qu'on dit, c'est que, regarde, êtes-vous capable de répondre à ça? Moi, ce qu'on dit, là, ce que je vous dis, moi, je suis capable de répondre à ça. Là. Je suis capable de dire, voici les engagements que le maire, les responsabilités que le maire doit assumer à travers ces sept vérités-là. La ville ne se mène pas à travers dire ma notoriété ou j'étais le bénévole de l'année ou des affaires comme ça. Là. Je m'excuse, là, si vous voulez avoir quelqu'un là, là il va être obligé d'être capable de gérer ces situations-là. Vous avez 158 millions à gérer, puis ceux qui me disent que non, mais on est bien mieux de faire du communautaire avant de faire de la finance, je m'excuse, là, vous allez d'abord gérer le budget. Avec le budget, c'est votre outil majeur. Ou après ça, vous pouvez intervenir dans différents projets. Ça inclut le communautaire, le sportif, ça inclut la culture, ça inclut tout ça. On le dit un peu plus loin de notre plateforme. Où on a mis des priorités, on a mis sept priorités avec des actions. Mais vous ne pouvez pas ignorer que qui est-ce que vous voulez à la tête de la ville? Voulez-vous quelqu'un qui va laisser les fonctionnaires donner des orientations en disant, bien, orientez-moi là, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça marche. Moi, si on est assis là, ça ne sera pas ça. Là. On va s'asseoir avec les fonctionnaires, puis on va dire, voici quelle orientation je veux donner. Là. Et d'ailleurs, dans vos actions prioritaires, je résume, service aux citoyens, améliorer les services de proximité, l'environnement, l'urbanisme, projet du centre-ville, créer un commissariat au développement du centre-ville, gestion de la dette, les infras et les contrats, revoir notre plan de développement des infras, la promotion industrielle, valoriser la culture et la concentrer au centre-ville. Bref, ça, c'est un peu quoi votre plateforme, les éléments que vous allez développer tout au cours de la campagne électorale? Oui, c'est la plateforme qu'on veut cibler en disant, vous ne pouvez pas faire un paquet de promesses, OK? Il faut d'abord donner des orientations en disant, voici les priorités sur lesquelles on veut travailler. À partir de ça, à l'intérieur de ça, on a mis des actions ou des gestes à poser qui sont en lien avec ces priorités-là. Comme l'exemple, on va vous donner l'environnement, revoir le plan d'urbanisme suite à l'application du plan de conservation. On sait que le plan d'urbanisme était possiblement, perturbé, si on parle de ça, suite au plan de conservation avec des orientations qu'on veut donner, et développé différemment, mais ça en est un exemple. Là. Donc, vous ciblez la priorité et vous dites, voici à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire? Puis, je ne les lirai pas toutes, là, mais bon, je vais vous donner un exemple des infrastructures. Infrastructures, on dit, infrastructures et contrats, il y a trois choses qu'on met de l'avant. Premièrement, revoir le plan de développement des infrastructures. On est dépendant je l'ai dit d'ailleurs dans cette vérité, on est dépendant du pacte fiscal, qui n'est même pas connu encore. Et déjà là, en partant, il faut parler de ça, d'infrastructures. Deux, reviser la manière d'accorder les contrats, mais en même temps, il faut créer un climat de confiance avec nos contractuels. Puis le dernier point que j'avais d'ailleurs demandé au dernier budget, assumer à l'interne les surveillances des travaux à cause d'économie des coûts. Mais ils ont dit oui, c'est dans le budget. On n'a rien. Les travaux sont en cours, donnés à contrat, puis ce n'est pas nous autres qui surveillons les travaux. Nos entrées sud sont commencées. Moi, je pense qu'il y a une gouvernance à changer, là. Monsieur Lamoureux, un gros merci de votre passage à l'émission. Rapidement, parce qu'on est en fin. À l'intérieur de ça, moi, je vous dis que la plateforme devrait se réaliser même à l'intérieur d'un plan quinquennal. Moi, je dis, on fait un plan de 5 ans et voici ce qu'on va faire. Pas un plan électoraliste, là.
un plan quinquennal à chaque année, voici ce qu'on doit faire. Bon. Ça fait partie de la troisième volée. On aura l'occasion de vous réinviter pour développer davantage vos idées et probablement de débattre également avec vos adversaires. Bonne campagne. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour. Plaisir. Bonne campagne. Restez avec nous au retour. On vous présente le Babillard quotidien. Le CLSC de la Vallée des Forts offre encore une fois des rencontres pour les aidants naturels, donc vous avez le numéro de téléphone pour vous inscrire. Voici la grille horaire de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui traite des affaires municipales avec des extraits du Conseil de ville. Petite modification au niveau de la grille horaire, vous l'avez à l'écran. Également, Télébingo, n'oubliez pas que c'est recommencé depuis dimanche dernier, donc à tous les dimanches matin, 9h30, il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine et il y a toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes dans la région, dont on se donne rendez-vous demain. Bye-bye.